Bonjour et bienvenue dans Cycliste, votre nouveau média vélo. Nous sommes à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, et oui, quoi de mieux que la Bretagne, terre de vélo, pour démarrer ce premier numéro de Cycliste. Cyril Gauthier, le nouveau coureur de l'équipe Vital Concept B&B Hotel, nous attend au chaud, on va le rejoindre dans quelques instants. Mais d'abord, regardez ce qu'il vous attend dans ce premier numéro de Cycliste. Voici le sommaire et on rejoint tout de suite Cyril Gauthier. Après une parenthèse d'un an au niveau amateur, Tony Hurel retrouve le monde professionnel. L'ancien coureur d'Europcar espère se relancer. Reportage au sein de sa nouvelle équipe, la formation Saint-Michel-Aubert 93. Clap de fin pour Francis Mouret. Deux jours après la dernière course de sa carrière, la légende française du cyclocross s'est confiée dans un entretien exclusif. Et c'est pour cyclistes. C'est l'un des grands transferts du Mercato. Il a rejoint la formation Vital Concept B&B Hotel cet hiver. Cyril Gauthier est le premier invité de cycliste. Et ça commence maintenant. Et on a retrouvé notre invité justement pour ce premier numéro de cycliste. Bonjour Cyril. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça roule. Hâte de mettre le premier dossard et voilà, d'enfiler les premières tenues de Vital Concept B&B Hotel en compétition. Et oui, parce que nouvelle saison pour toi, nouvelle équipe, puisque tu as signé durant l'intersaison chez Vital Concept B&B Hotel. Alors, justement, pourquoi avoir fait ce choix? Bah, tout simplement parce que voilà, j'en avais besoin. J'avais besoin de me faire plaisir sur le vélo. Retrouver un peu le Cyril Gauthier d'avant, le battant voilà, qui aille dans les échappées, qui fait la course. Pas souvent gagnant, mais qui prenait énormément de plaisir sur le vélo. Ouais. Comment ça se passe ton intégration avec ta nouvelle équipe là justement? Bah, ça se passe très très bien. Comme je dis, ça fait trois mois que je suis maintenant dans l'équipe. Les premiers stages se sont très bien passés. J'ai été très bien accueilli. Je suis pas forcément un garçon difficile à vivre, donc ça va, ça se passe très bien. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu as décidé de quitter la formation AG2R La Mondiale, une formation World Tour? Ouais, j'avais besoin de redescendre voilà, de cette équipe Pro Tour qui était AG2R La Mondiale, une grande équipe avec forcément des grosses pointures dans l'équipe. Et ouais, peut-être que ouais, je m'effaçais dans l'équipe et personnellement, j'avais besoin de retrouver un aspect un peu plus familial, certes une plus petite équipe parce que Vital Concept B&B Hotel, voilà, ça fait qu'un an d'existence, mais si moi je peux leur apporter mon expérience, tout ce que j'ai pu vivre sur c'est mes 12 années professionnelles, apporter aux jeunes et puis essayer aussi d'apporter des gains pour l'équipe. Est-ce que le fait de ne pas avoir participé au Tour de France l'an dernier, tu n'as pas été retenu par la formation AG2R La Mondiale pour participer au Tour de France 2018, est-ce que ça a joué dans ta décision de quitter cette formation? Ah, forcément, ouais, j'étais en fin de contrat et puis au moment où je réfléchissais, j'étais à la maison au mois de juillet. Ouais, devant la télé. J'avais dit que je ne regarderais pas le Tour de France et puis j'ai regardé tout le Tour quand même à la télé. ça m'a fait drôle quand même. Et puis effectivement, ouais, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, cette année c'était compliqué. J'étais peut-être le 9e homme, mais bon, il y en a 8 maintenant. Et je me suis dit, sûrement que 2019, si je reste avec eux, ce sera peut-être le même topo. Ce sera donc je me suis dit, Cyril, essaye de t'éclipser. Alors, tu n'es pas le seul à avoir rejoint la formation Vital Concept B&B Hotel durant l'intersaison. Il y a Arthur Vichot, il y a Jimmy Turgis, il y a aussi Pierre Roland, que tu connais bien, c'est un de tes meilleurs amis, je crois. Est-ce qu'il a joué un rôle important dans ta signature avec l'équipe de Jérôme Pinault? Ouais, Pierre, c'est un ami depuis pas mal d'années. On a fait les Chepas du Monde en 2014 à Vérone ensemble. C'est là qu'on s'est connus. On a fait beaucoup de courses ensemble chez Espoir. Et puis après, on s'est rejoint chez Bouygues Télécom en 2009. Et j'ai fait 8 Tours de France avec lui, en chambre avec lui. On a tissé des liens. Je suis le témoin de son mariage. Il va être le témoin de mon mariage aussi. On part en vacances ensemble. Et puis voilà, quand on a une certaine complicité. Et forcément, on a beaucoup discuté en début d'année. Comme lui, il était en fin de contrat avec EF.
Et voilà, comme Jérôme était en discussion avec nous deux, ça nous a plu aussi de se dire qu'on allait recourir ensemble, quoi. Alors, on vient de parler de Pierre Roland, on va maintenant parler d'un autre coureur que tu connais bien aussi, puisque tu as passé plusieurs saisons à ses côtés en tant que coéquipier. Il s'agit de Tony Hurel, que tu vas retrouver, puisque Tony Hurel est de retour dans le peloton professionnel après avoir passé un an chez les amateurs. Nous l'avons rencontré avec sa nouvelle équipe Saint-Michel Aubert 93, un sujet préparé avec Adrien Paquier. On peut l'applaudir très fort, Tony Hurel. Tony Hurel est de retour sur la scène professionnelle. Un retour plein d'envie dans un monde qu'il a quitté en novembre 2017 lorsque sa future équipe de l'armée de terre disparaît du peloton professionnel. Un coup d'arrêt après 7 saisons chez les pros, mais Tony Hurel n'abandonne pas et poursuit sa carrière à l'étage inférieur. Chez les amateurs, le Sartois remporte avec Sojasun Espoir une étape du Tour de Bretagne et du Tour du Loir-et-Cher. Des résultats qui vont convaincre l'équipe Saint-Michel Aubert 93. On a vu Tony vraiment exceller chez le milieu amateur, on s'est dit c'est peut-être l'opportunité de se retrouver un garçon de valeur qui sera encore capable d'évoluer à très bon niveau chez les pros. Sa saison au niveau amateur, Tony Hurel l'assume et attend même en tirer des bénéfices. C'est sûr que ça n'a pas été agréable quand j'ai su qu'il fallait que je retourne à l'amateur, mais je me suis fait plaisir, j'ai trouvé le goût de la victoire. Puis même mentalement, ça m'a peut-être endurci, je pense, et rendu un peu plus méchant. Revigoré, l'ancien coureur d'Europcar espère relancer sa carrière et rêve d'un retour gagnant. Moi, je suis dans un état d'esprit, on va dire, un peu revanchard. Donc moi, ce que je veux, c'est retrouver le goût de la victoire chez les pros et peut-être que j'aurai peut-être un peu plus d'envie que les autres. Plus d'envie, c'est le constat tiré par son nouveau coéquipier Johan Payot. L'an dernier, il faisait lui aussi son retour chez les pros, après une parenthèse de 2 ans chez les amateurs. Repasser chez les amateurs, c'est soit ça aurait été perdant si vraiment je passais à travers et que je m'enterrais en revenant chez les amateurs. Sauf qu'au contraire, ça m'a permis d'être encore plus motivé. Dès la première victoire, ça m'a permis d'en vouloir encore plus. Pour son retour au plus haut niveau, Tony Hurel se dit prêt, sans pression et déterminé à performer. À 31 ans, le puncheur veut revenir plus tueur, avec pour principale cible les Coupes de France. Merci et bravo encore une fois. Tony Hurel, on peut applaudir très fort. De retour chez les professionnels avec Tony Hurel. Tony Hurel que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans un long documentaire que nous avons réalisé lors des 24 heures du Mans Vélo cet été, qu'il a d'ailleurs remporté. Découvrez ça dans le lien qu'on vous met en haut des commentaires. N'hésitez pas à cliquer et à nous donner vos avis. Alors Tony Hurel, que tu connais bien, qui est de retour chez les pros, on l'a vu dans ce sujet. Toi, tu y crois au retour chez les professionnels ? Bah forcément, ouais, parce que forcément, il y a très peu de pros qui remontent chez les professionnels après voilà, être redescendu chez les amateurs. Donc forcément, pour moi, si le coureur remonte, ça veut dire forcément que le potentiel, le talent est là. Et puis aussi l'envie, parce que je pense que c'est très dur de retourner chez les amateurs après avoir connu un monde professionnel pendant quelques années. Donc moi, j'y crois et voilà, comme je dis, il y en a très peu et après, souvent de fois, il marche fort. Tony Hurel, à qui on souhaite une excellente saison avec sa nouvelle équipe et pour son retour chez les professionnels. Et on passe tout de suite à une rubrique, c'est l'interview Bouche le Trou. C'est parti. L'interview Bouche le Trou, le principe, il est très simple. Je me mets dans la peau de Cyril Gauthier, à ta place. Je commence des phrases et toi, tu dois les compléter, les terminer. Tu dois boucher le trou. Alors, si je devais décrire le coureur que je suis, je dirais que... Je suis généreux, peut-être parfois trop, mais ça me va bien. Mon palmarès, je le trouve... Comme ma taille, petit. Non, mais c'est vrai, pas très grand, parce que voilà, j'ai peut-être pas un gros moteur, mais je pense que je suis toujours acteur. Après, c'est sûr que moi, je me suis toujours dit, j'aimerais, voilà, quand j'arrêterai ma carrière, j'aurais bien aimé avoir une belle ligne à mon palmarès, une étape du Tour, une étape à Paris-Nice, une étape au Dauphiné, des belles courses, quoi, parce que c'est vrai que
On dit aujourd'hui il n'y a pas de petites courses, mais on le sait tous, il y a quand même des courses à gagner, des belles courses. En quittant une équipe World Tour pour une équipe Continental Pro, j'ai fait le bon choix. Je pense avoir fait le bon choix et voilà, pour être heureux. Mes coéquipiers sont vraiment des bons mecs, des bonnes personnes. Comme je dis toujours, avant d'être un sportif de haut niveau, il faut être bien dans sa tête et une bonne personne. Ouais. Sans parler de Jérôme Pinault qui est mon patron. Non, qui est lui aussi une bonne personne, mais voilà, Jérôme c'est mon patron et ça restera mon patron. Même s'il est jeune, même s'il déconne, même si la relation avec lui est proche, dans ma tête, je sais que c'est mon patron. Alors moi, cette année, mon objectif, c'est gagner des courses et puis aider l'équipe à gagner des courses. J'attends de cette saison 2019. Je ne sais pas si on peut parler de me relancer, mais de m'épanouir. Mon équipe aimerait participer au Tour de France, à son premier Tour de France, car c'est une course. C'est une course, c'est une belle course, c'est la plus belle course au monde et celle qui fait rêver toutes les équipes. Et Christian Prudhomme, c'est vraiment quelqu'un de... C'est un bon mec. Non, mais Christian Prudhomme, c'est le patron et lui aussi, c'est lui qui décide et on sera là s'il nous le demande de l'être. Avant la fin de ma carrière, je veux à tout prix... Une étape au Tour de France. Une étape sur le Tour de France. Voilà pour cette interview bouche le trou. Allez, on va parler maintenant à présent de Francis Mouret qui vient de raccrocher le vélo à l'issue du championnat du monde de cyclocross qu'il a terminé à la 26e position. C'est l'entretien de ce premier numéro de cycliste. Bonjour Francis, merci de nous accorder cette interview. Alors tu viens de participer justement à la dernière course de ta carrière. Et raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as entendu la cloche au championnat du monde dimanche et lorsque tu as réalisé ton dernier tour en compétition. Après, ouais, c'est un peu difficile à décrire tout ça parce que c'était vraiment dès le départ, je savais que c'était ma dernière course, surtout sur le championnat du monde. Et après, c'est sûr qu'au son de la cloche, je me dis ça y est, profite de ce dernier tour parce que ce sera ton dernier tour en tant que compétiteur. Dans ma tête, c'était plus de finir le championnat du monde plus que ma carrière. Alors, j'ai une vidéo à te montrer. Je te laisse la regarder. Voilà. Raconte-moi, qu'est-ce que tu viens de voir? C'était mes derniers championnats de France et c'est vrai que c'est toujours c'est particulier parce que tout ce public-là qui m'a suivi depuis tellement longtemps et voilà, c'était la dernière fois. Mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens-là pour moi. Mon premier championnat de France, c'était en Franche-Comté à Nomé en 98. Il y avait déjà une grande ferveur et ça a continué pendant mes 22 ans de carrière et c'est vrai qu'à Besançon, finir à Besançon en Franche-Comté chez moi, c'était incroyable. Tu finis cette course troisième. Est-ce qu'il y a une petite déception sportive de ne pas terminer en beauté chez toi à domicile? Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours une déception. J'étais parti au championnat de France de Besançon pour gagner le titre. Après, je fais troisième et c'est comme ça. On a plus de chances de perdre que de gagner. Et après, déçu, mais pas de regret parce que je sais que j'ai très bien travaillé pour y arriver et après j'ai été battu par plus fort que moi. Si tu avais un souvenir à garder en tête pendant toute ta vie, ça serait lequel? Le souvenir que j'ai, c'est d'avoir apporté au cyclocross une belle image. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, j'ai le papa de Clément Rousseau, qui était en équipe de France avec moi et tout ça. Il est venu me montrer une photo de Clément, justement, quand il avait 7-8 ans à un cyclocross de Mont-Revel-en-Bresse. Il était en école de cyclisme et on avait posé les deux pour faire une photo. Et
on a refait exactement la même photo plus de 10 ans après. Et son papa, il m'a toujours dit, c'est toi qui as donné envie de faire du cyclocross. Et ça, c'est le plus important de ma carrière. Alors, Francis Mouret et le cyclocross, c'est 32 manches du Challenge National, 2 manches de Coupe du Monde. Combien ? C'est 33. 33, pardon. Je me suis, mais le dur, on me l'a dit que c'était 33, c'est pour ça. 33, alors 33, je m'excuse. Donc 33 manches, et c'est important, 33 manches du Challenge National, 2 manches de Coupe du Monde, ouais. 9 titres de champion de France en élite et une médaille de bronze au championnat du monde de cyclocross. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir marqué l'histoire du cyclocross, de cette discipline ? C'est sûr que les chiffres, ils parlent. On a marqué, on va dire, l'histoire du cyclocross en France et j'espère que tous ces records seront battus. Ça prouverait que la France a su créer des champions en cyclocross. C'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir battre des records. Ça permet que le cyclocross en France puisse progresser et j'espère qu'il va progresser et j'espère que je pourrai apporter ma pierre à l'édifice. Je vais regarder encore mes notes, j'espère qu'elles seront bonnes cette fois, parce que sur la route, tu as aussi un certain palmarès, tu as un Trobroléon, une étape sur le circuit de la Sarthe, et une 19e place au classement général du Giro, le Tour d'Italie. Est-ce que tu as des regrets sur la route ? Est-ce que tu aurais pu avoir peut-être un meilleur palmarès sur la route ? Non, j'ai pas de regrets. Après, c'est sûr que sur la route, j'avais plus un rôle d'équipier que de leader. Après, moi, je pense que sur la route, il me manquait peut-être un petit facteur pour, on va dire, pour avoir des meilleurs résultats. C'est que j'aime le vélo et par contre, je suis pas un tueur sur le vélo. C'est peut-être ce qui m'a manqué pour gagner certaines victoires, mais j'ai aucun regret. J'ai pris énormément de plaisir à travailler pour mes leaders. Si tu devais résumer ta carrière en un mot, en un seul mot, ça serait lequel ? Plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce... Pour moi, je ne veux pas dire métier, parce que même si c'était un métier, c'était... J'ai pris un énorme plaisir de faire ma passion et de pouvoir vivre de ma passion pendant X années, c'était formidable. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Que va devenir Francis Mouret ? La suite, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis en formation d'un brevet d'État, le DGEPS, avec la FFC. Ici, actuellement, au Crêpes de Montpellier. Aujourd'hui, cette semaine, on est au Crêpes à Montpellier. Mais après, j'ai... L'avenir de Francis Mouret, j'espère qu'elle sera dans le monde du vélo, dans le monde du cyclocross, pouvoir apporter aux jeunes et aux moins jeunes, la catégorie, on va dire, cadet jusqu'aux catégories élites, tout mon savoir-faire, l'amour que j'ai pour ce sport, et de pouvoir l'emmener très haut dans la discipline. Merci Francis Mouret. De rien, merci. Cyril, un mot sur Francis Mouret. C'est quelqu'un, selon toi, qui a marqué l'histoire de sa discipline ? Oui, forcément, ouais, parce que quand tous les ans, on est présent sur les Coupes du Monde, le championnat de France, le championnat du monde, c'était le coureur qui était capable de battre les Belges, les Hollandais. Et Francis Mouret a marqué la carrière de cyclocross. Ouais. Reconversion toute trouvée donc pour Francis Mouret. Et toi, Cyril, est-ce que tu penses déjà à ta reconversion ? Oui, j'y pense. Après, quoi, je ne sais pas encore. J'espère le plus tard possible. Si j'ai l'envie, comme j'ai eu l'envie cet hiver d'aller m'entraîner, je pense que je pourrais encore faire quelques années. J'ai que 32 ans en fin d'année. Donc, je pense que je serais peut-être capable de faire 4-5 ans. Après, faudra-t-il permettre que mon niveau soit bon aussi. Avant de conclure cette émission, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette saison 2019 avec ta nouvelle équipe ? De gagner des courses et d'être heureux dans ce que je fais et d'avoir une bonne santé. Voilà, le premier numéro de cycliste, c'est terminé. Merci beaucoup, Cyril Gauthier, de nous avoir accueillis chez toi ici à Saint-Brieuc. Merci au Crézen également de nous avoir ouvert ses portes. Je remercie évidemment Adrien Paquet derrière la caméra. J'espère que ce premier numéro vous a plu. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et puis, on se retrouve sur notre page Facebook et sur Instagram, puisque nous sommes aussi présents sur Instagram. Voilà, à la prochaine et merci à vous de nous avoir regardés.